Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a eu une grosse annonce, entre guillemets, aujourd'hui de la part d'NVIDIA, qui se décide, enfin, je dirais, entre guillemets, à affronter les mineurs de crypto-monnaies. On va se calmer, spoiler, ça va pas changer grand-chose. On va expliquer ça, c'est parti. Alors, vous n'êtes pas sans savoir hein, que ce qui plombe un peu le marché des GPU actuellement au niveau de la disponibilité, c'est en grande partie dû au minage de crypto-monnaies. NVIDIA vend des cartes directement aux mineurs de crypto, les partenaires d'NVIDIA en vendent directement aussi, et concrètement, ce qu'on retrouve nous sur le marché, ben, c'est un peu les miettes qui restent. C'est pour ça qu'il est très très difficile de trouver du GPU actuellement, puisque du coup, la grosse majorité, à mon avis, dégage vers les mineurs de crypto. Ça permet en plus aux autres derrière de pouvoir vendre les cartes qui restent au détail beaucoup plus cher que ce qu'elles coûteraient normalement. Et du coup, NVIDIA, on avait entendu parler il y a quelques semaines qu'il serait possible qu'ils nous lancent une nouvelle série de GPU dédiée au minage de crypto-monnaies. Alors sur le papier, c'est super, mais concrètement, ça changera pas grand-chose. Ils ont déjà essayé de faire ça par le passé, lors de la dernière grosse bulle des cryptos et la bulle de minage. On avait eu des GPU basés sur les GeForce 1060 et 1070, il me semble, qui n'avaient pas connu un succès incroyable. Et pourquoi ça ne sert pas à grand-chose ? Ben, tout simplement parce que les GPU dédiés au minage, ça va intéresser uniquement les grandes fermes de minage de crypto. Ok, ils vont tout acheter, mais ça les empêchera pas d'acheter à côté des GPU tout à fait classiques aussi. Pourquoi ça change rien à ce niveau-là ? Ben, parce que de toute façon, les grosses firmes de minage vont continuer d'acheter tout ce qui est achetable. Ça changera rien pour eux. Et pour le mineur artisanal, bio, à côté de chez vous, qui élève ses GPU en plein air, lui, les cartes dédiées aux cryptos, ça l'intéresse pas du tout. Pourquoi ? Ben parce que lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est, une fois que c'est plus rentable, ben ses GPU, il va les revendre, puisqu'ils peuvent encore être utilisés en carte graphique, tout simplement. Tandis que du GPU dédié sans sortie vidéo, du coup, ben ça sert plus à grand chose à part caler une porte. À part s'il y a moyen de détourner l'utilisation et de les transformer en GPU d'une façon ou d'une autre. Il y avait quelques détournements possibles sur les anciennes cartes dédiées au minage. Je sais pas si ce sera le cas là aussi. Enfin bref, pour moi c'est pas une solution au problème, c'est plus une histoire d'accompagner le souci, je dirais, et d'avoir un effet d'annonce pour avoir une bonne image, hein, tout simplement. Ça donne l'impression qu'ils essayent de faire un truc, alors qu'on sait pertinemment que ça ne changera rien. Donc du coup, quelles sont ces cartes qu'NVIDIA nous a prévues ? Alors ça se passe chez VideoCards, comme bien souvent, mais ils ont fait une annonce officielle. Hein. On a les specs, donc il y a 4 modèles de cartes qui sont prévus. Donc c'est une nouvelle gamme qui s'appelle le CMP-HX, les Crypto Mining Processor. Donc on a le 30HX, le 40HX, le 50HX et le 90HX. Alors au vu des specs, les deux premières à mon avis sont basées sur Turing et les deux autres ce sont des 3080 plus ou moins bridés. La 30HX, pourquoi c'est du Turing ? Bah parce que 26 mégas, 125 watts, 6 Go de RAM, ça sent très très fort le 1660. C'est grosso modo les perfs d'une 1660, hein. Concrètement c'est exactement ça. Le 40HX 36 mégas, 185 watts, 8 Go de RAM, ça ressemble plus à de la 2060, super, 2070. On sait qu'NVIDIA a relancé la production de 2060 dernièrement, et 2660 aussi je pense, du coup, hasard, total hasard apparemment, ce seraient ces cartes-là. Hein. Puisqu'au niveau de la conso et des performances de minage, c'est grosso modo exactement ça. Du coup, ces cartes-là n'intéresseraient de toute façon pas grand monde au niveau du minage, puisqu'elles sont pas spécialement intéressantes au niveau consommation énergétique. Bon, alors après, les Chinois s'en foutent peut-être. Par contre, tout ce qui est minage en Europe et compagnie, je pense pas que ça intéresse grand monde. La 50HX, alors elle, je pense qu'elle intéressera vraiment personne. 45 mégas, 250 watts, 10 Go de RAM. Bon, alors ça, clairement, à mon avis, c'est une 3080 hyper castrée. Alors, soit c'est les rebuts de production, donc c'est bien qu'ils soient recyclés en quelque chose. Mais alors, 45 mégas pour 250 watts, c'est vraiment pas des performances terribles. C'est très très nul. Hein. Pour info, une 3060 Ti et la 3070, qui ont exactement les mêmes perfs, ça sort du 60 mégas pour 120-130 watts. Donc, bon,
je vois pas trop l'intérêt de celle-là. La 90HX, 86 mégaoctets, 320 watts. Alors ça, c'est concrètement les perfs de la 3080, tout simplement. Donc, bon, on sait ce que c'est. Alors après, hein, y a aussi une histoire d'optimisation. Clairement, ces deux-là sont pas du tout optimisés. Hein. La 3080, on peut sortir du 80 MHz à 200 watts à peu près. Donc, y a clairement pas du tout d'opti à ce niveau-là. Mais bref, bon, ça laisse perplexe. Mais bon, ça, c'était la première solution d'NVIDIA pour lutter contre le minage. Et la deuxième solution, eh bien, pour la sortie de la 3060, NVIDIA a décidé de sortir un driver qui bridera les performances des 3060 en minage de crypto, d'à peu près la moitié. Alors sur le papier, c'est très très sympa, on a l'impression que ça va changer quelque chose, sauf que ben, ce sera probablement contourné très très rapidement. J'ai aucun doute sur le fait que les mineurs de crypto cherchent à hacker les drivers, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre. Ça s'est déjà vu par le passé, chez AMD, chez NVIDIA aussi, quand il y a un problème de ce genre-là, quand c'est juste un bridage software, ce sera obligatoirement contourné quand il y a du pognon à se faire. Là, c'est clairement de l'effet d'annonce, ça changera que dalle. On pourrait voir les mineurs utiliser les drivers des 3060 mobiles, qui fonctionnent déjà, c'est la même puce. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas détournable pour les 3060 de bureau, entre autres. Ça, ou des drivers hackés. À chaque fois qu'il y a une sortie de nouveaux drivers, je ne serais pas surpris qu'on ait la version minage, entre guillemets, faite par des gens qui savent faire ça. Hein, mais clairement, c'est ce qui va arriver. Donc ça, un effet d'annonce pour faire plaisir aux gens, mais concrètement, ça ne changera rien. Donc bon, ça, c'est les deux solutions apportées par NVIDIA qui, concrètement, ne vont rien changer. Ce qui aurait été intéressant, hein, c'est qu'NVIDIA travaille là-dessus en amont, un peu comme ce qu'AMD a fait avec ses 6800 XT. Si vous n'êtes pas au courant, la nouvelle gamme d'AMD en RDNA2 ont des performances en minage pas terribles, puisque ça a été bridé au niveau du hardware. Comment est-ce qu'on sait ça? Ben, tout simplement parce que une 6800 XT, normalement, c'est une 5700 XT multipliée par 2. Si on schématise grossièrement pour du minage, avec en plus un cache hyper rapide, de la RAM plus rapide, donc normalement elle aurait dû avoir des performances en minage largement supérieures à ce qu'on a ici. Est-ce que les 6800 XT sont nuls en minage pour autant? Non, mais elles sont beaucoup moins efficaces que les 5700 XT. Pour info, par exemple, une 5700 XT, on peut en sortir à peu près 50 MHz pour 100 watts de conso. Une 6800 XT, on va taper les 60-70 MHz dans ces eaux-là pour 140-150 watts sans grosse optimisation, flashage de BIOS et compagnie. Hein. Alors que normalement, on aurait dû avoir quelque chose de largement plus puissant vu les specs de la carte. Donc AMD a délibérément bridé ses cartes en minage. C'est un peu ce qu'aurait dû faire NVIDIA, mais bon, là, c'est trop tard. Je veux dire, s'ils voulaient vraiment éviter que les mineurs utilisent leurs cartes, et principalement celles qui vont sortir dans le futur, comme la 3060, hein, ils auraient pu faire quelque chose s'ils avaient vraiment voulu, mais clairement c'est pas le cas. Autant chez AMD ça a été bridé au niveau matos, c'est pas impossible qu'un jour quelqu'un arrive à contourner le truc. Pour le moment c'est pas le cas, mais ça arrivera peut-être par la suite. Pour info, par le passé, on avait eu des infos comme quoi les prochaines cartes d'AMD, donc à l'époque les 6800 qui étaient pas encore sorties, on avait entendu dire qu'elles avaient des performances en minage de crypto-monnaie absolument démentielles. C'est pas ce qu'on a eu à l'arrivée, je serais pas surpris si c'est contourné un jour, d'une façon ou d'une autre, je sais pas. Mais bon, de toute façon, chez AMD, y a pas de carte de dispo, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, hein, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, je pense. J'avais envie de faire une vidéo rapidement là-dessus, hein, puisque du coup le sujet était assez intéressant, et je voyais pas mal de monde s'emballer à ce niveau-là, en train de dire bah, « c'est cool, NVIDIA fait quelque chose », oui, sauf que non, concrètement, ça changera malheureusement rien. Encore une fois, je ne fais que vous apporter l'info, hein, c'est pas moi, hein, c'est... je donne la réalité du truc, c'est des effets d'annonce, tout simplement, et les grosses firmes de minage achèteront tout simplement tout ce qui est disponible. Donc bon, les nouvelles cartes pour miner, on s'en fout, concrètement, ça changera que dalle, et les drivers... ce sera contourné d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ça résoudra pas le problème malheureusement. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que ben, toutes les 3060 dégagent en quelques secondes, hein, minage ou pas, de toute façon. Ce sera vendu en 2-2. On verra comment ça se passe malgré tout dans quelques jours. Hein, maintenant, c'est la semaine prochaine à peu près, la sortie des 3060. Ben, soyez au taquet hein, le jour de la sortie si vous essayez d'en acheter une. Ça va être compliqué quand même, je pense. Moi, perso, je suis très intéressé pour voir les prix des 3060 en France. Je m'attends au pire, hein, perso. Mais bon, on verra bien. Du coup, ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, des bisous, salut!